Ouais, salut les oiseaux, c'est Parano. On se retrouve aujourd'hui encore une fois de plus sur Diablo 3. Cette fois-ci accompagné de ma féticheuse que je l'ai soigneusement appelée Kerrigan avec les petites ailes de démon, ça passe crème. Donc je voulais juste vous montrer un petit peu le build CKD. Donc pour toutes les personnes qui ne connaîtraient pas, donc ce build consiste à faire pop des chiens, donc 4 chiens à l'occurrence, hein, donc C4, et de les faire péter instantanément. Donc ce build c'est vraiment une dinguerie, franchement je m'éclate à jouer avec ce build, franchement c'est vraiment une dinguerie. Il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent, du moins ça, il commence à être vraiment connu. D'ailleurs je me fais un petit peu des pop au début, c'est vrai que je me fais un petit peu, je crois que je suis mort 2 ou 3 fois. Donc je voulais juste faire une petite vidéo comme ça. D'ailleurs grosse dédicace à Rico qui est avec moi dans la game, qui est aussi un féticheur mais qui a pris l'aspect bat. Vous voyez des chauves-souris partout. Donc franchement voilà, je voulais juste faire cette petite vidéo tranquillou parce que on a travaillé la crypte, on en a fait des millions et on en fera encore des millions de cryptes pour farmer un petit peu. Et du coup je sais pas, en fait je me suis dit putain, mais en fait celle-là elle est vraiment monstrueuse. C'est vrai que j'ai fait énormément de cryptes, mais celle-là franchement le rien de crypte, celle-là elle était vraiment, voilà, je crois que c'est la deuxième fois que je meurs et après je pense que ça va aller. Ça commence doucement doucement, mais celle-là c'est vrai que quand on l'a préparé en fait, franchement tous les mobs qu'il y avait, c'est rare que je tombe sur une crypte comme ça en fait. Voilà, c'est pour ça que je l'ai filmé, je me suis dit pourquoi pas envoyer une vidéo. Donc c'est vrai qu'en ce moment il y a beaucoup de Diablo. Je voulais parler pour toutes les personnes qui ne savent pas, j'ai ouvert une chaîne consacrée qu'au hack and slash. D'ailleurs la première vidéo est sortie hier sur le build des moines, sur les builds des moines. Fait par Ours de Guerre, donc mon assos. On est deux à avoir créé cette chaîne, Ours de Guerre et moi. Ours gère un petit peu tout ce qui est build, statistiques, dégâts, informations, tutoriels. Moi je suis plus stream, je gère la chaîne, etc. etc. Donc on se complète un petit peu tous les deux. Et puis voilà, je fais pas mal de trucs aussi. C'est vrai que je suis plus un fan de la série, je suis plus un fan du jeu, entre guillemets. Lui il est plus spécialiste, on va dire plus pro, sur tous les items, sur les trucs à avoir, pas avoir, avec quoi jouer, pour bien commencer le jeu, etc. etc. On vous prépare excusez-moi, de grosses vidéos dessus. D'ailleurs si vous aimez ces jeux, les hack and slash, n'hésitez pas à venir. Il va y avoir pas mal de Diablo pour le moment, mais après c'est vrai qu'on va se mettre sur du Torchlight, on va se mettre sur du Marvel Heroes, on va se mettre sur peut-être si je sors un jour Lignage Éternel. Pour ceux qui ne connaissent pas, tapez Lignage Éternel. Tapez juste ça, pour tous les fans d'Hack and Slash, tapez juste ça, vous allez péter les plans. C'est un jeu développé par NCSoft qui, j'espère, verra le jour normalement peut-être en 2014, du moins au niveau des Coréens. Après, je sais pas comment ça va se passer du côté européen. Mais bon, bref, c'était voilà, vraiment pour vous faire un petit run, une petite vidéo tranquille. En ce moment, je fais que du Diablo, matin, midi, soir, Diablo, Diablo, Diablo. Je suis à fond sur ce jeu, d'où la chaîne. Et je pense qu'il y a pas mal de gens qui ne comprennent pas encore, qui comprennent pas beaucoup de trucs sur le jeu, les runs. Donc vous inquiétez pas, on prépare plein de trucs. Si vraiment ce jeu vous plaît et ces jeux, les hack and slash, vous plaisent, n'hésitez pas franchement à venir et à cliquer sur vous abonner et voir un petit peu tout ce qui va se passer. Je pense qu'il va y avoir du très 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 lourd, surtout quand je vois en fait toutes les connaissances de Ours. Moi personnellement je l'appelle Wikipédia parce que le mec il connaît tout sur tout, il me fait péter un câble. Donc des grosses dédicaces à toi Ours. Et puis ben voilà les oiseaux, je voulais juste vous dire un petit peu, vous parler un petit peu vite fait. C'est vrai qu'en ce moment je fais que ça, donc je no life. Si vous voulez m'ajouter, ajoutez-moi, il n'y a pas de souci. Tout sera dans la description de toute façon. Et n'hésitez pas à aller voir, voilà, j'ai fait le Twitter, j'ai fait le Twitch, j'ai fait la chaîne YouTube de Hack and Slash. Je pense que je vais vraiment envoyer de grosses vidéos et avoir plein de choses. Donc si ça vous plaît, si Diablo 3 vous plaît et que vous ne savez pas comment jouer, commencer, etc. Ou même si vous avez envie de changer de build parce qu'il y a plusieurs builds différents, voilà, ça va être du lourd. En attendant, Reaper of Soul, nous on est toujours là, on farm comme des chinois, excusez-moi d'expression, mais c'est tout, c'est ça. Et voilà l'équipe. Donc écoutez, encore merci à Rico pour ce petit run qui était vraiment vraiment sympa. Là c'est vrai que vous allez voir, ça va des pop de tous les côtés. Le CKD c'est vraiment un truc de malade. Donc ce build c'est vraiment un truc de fou, je vous le conseille. Si vous ne le connaissez pas, je vous le conseille. Je laisserai mon profil pour Diablo dans la description si vous voulez voir tous les items qu'il faut acheter pour faire ce build. Moi je vous dis à très très bientôt, je vais vous laisser en musique comme d'habitude les oiseaux, prenez soin de vous, c'était Parano, allez peace.